Je l'espère. Non. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes qui, vous? Vous me connaissez vraiment pas? Je suis le détective Anderson. Et apparemment, il y a un meurtre à résoudre. Si je vous connaîtrais, ça serait. Alors, qu'est-ce qu'on a là, du coup? Je fais un résumé pour les routes à la Terre. Bon. Hier, à 18h, il y a eu un homicide. D'une balle dans la poitrine. Intéressant. Il faut voir de plus loin. Venez avec moi. Bon, qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Vous voyez? C'est de la poudre à canon. Le tueur devait se situer là. Il était donc droitier, car il pouvait pas tirer de la main gauche. Il s'est approché comme ça, et il a pointé son arme. Et il a dû tirer à cet endroit. C'est pour ça que nous pouvons retrouver de la poudre à canon par ici. Très bien, d'accord. Pas mal. Si le pistolet a dû être ici, le tueur devait à peu près se situer à ma taille. C'est-à-dire 1m78. Le tueur se positionnait donc ici. Et il a dû tirer le cadavre tout là-bas. C'est un vrai tireur d'élite. D'accord, je vois. Contrairement à certains. Mais
Il y a eu 3 balles tirées, il me semble. C'est louche. Comment vous pouvez savoir ça, vous? Bah, regardez. Il y a juste eu 3 trous dans le cadavre, quoi. Ah, ouais, ça me paraît assez évident. Je pense qu'il a dû tirer une fois là-bas. Il est venu par ici, il a marché. Il est venu ici, et il lui a mis 2 balles. Et donc, c'est comme ça que cette scène de crime s'est passée. Comment vous pouvez savoir tout ça? Eh bien, vous savez, parfois, la vérité est cachée sous vos yeux. Et au fait, comment vous appelez-vous? Je suis l'enquêteur Léon. Léon Chester. Eh bien, je suis heureux de faire votre connaissance, enquêteur Chester. De même, vu que nous devrions travailler ensemble. Donc pour vous, la meilleure façon d'analyser les choses, c'est de regarder les détails qui sont devant vous. Oui, c'est ça. Il faut se concentrer sur tout ce qui est devant. C'est quoi ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme au chapeau est de retour. Pourquoi on est là déjà? Parce que la dernière fois que j'ai enquêté l'homme au chapeau, je sais qu'il se trouve dans cet endroit. Donc là, on attend sagement dans la voiture. Et dès qu'on le voit, on le chope. Et au fait, vous devriez me parler de l'homme au chapeau. L'homme au chapeau, c'est pas quelqu'un. C'est quelque chose qu'on n'attrape pas. C'est l'un des seuls criminels à ne jamais avoir été arrêté par la police. Parce que il est très intelligent et il est très très fort. Et je le traque depuis, ça fait quoi, 30 ans? Et je l'ai jamais arrêté. L'homme au chapeau peut être n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Il peut se trouver tout autour de toi ou alors se trouver juste devant tes yeux. Et tu sais c'est quoi le pire? Ces meurtres, on les compte pas en dizaines ou en centaines, on les compte plutôt en milliers. Et chacun de ces meurtres est très calculé. C'est le criminel le plus redoutable qu'on a eu à faire. Et personne n'est au courant de son existence, car il fait tout dans l'ombre. Et je dois l'arrêter. Ok, mais comment vous en savez autant sur l'homme au chapeau? Parce que il y a très longtemps, il a tué ma femme de sang-froid. J'étais avec elle, en train de nettoyer la maison. Et je l'ai aperçu. Et ma femme fut éliminée l'instant d'après, sans rien que je puisse faire. Désolé pour vous. Et c'est depuis ce jour que j'ai envie de prendre ma vengeance sur lui. L'homme au chapeau? Oui, ma vengeance sur l'homme au chapeau. Non, l'homme au chapeau. On y va! Allez, faut le rattraper! T'inquiète, on va l'avoir! Ah! 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 Anderson, ça va?
Ah, oui, ça va. Allez la rattraper. Ah, ok, très bien. Reviens ici, enfoiré. Oh, enquêteur, ça va aller? Oh, ça va. Pour toi, pas la peine de demander. Oh, fais chier, j'ai failli l'avoir, salopard. En 30 ans, aucun policier n'a réussi à l'avoir. Tu pensais que ça serait toi qui l'aurais eu? On va l'avoir une prochaine fois. J'appelle les enquêteurs scientifiques pour voir s'il n'y a pas de l'ADN à récupérer. Donc, on a prélevé l'endroit où vous avez dit que l'homme au chapeau était. Et on a trouvé à qui appartient l'ADN. Il appartient à vous, détective.